Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ce petit live gaming justegeek.fr. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et vous l'avez vu dans le titre. Ce soir, je vous retrouve pour découvrir un jeu qui est sorti aujourd'hui qui s'appelle The Devil in Me. Voilà, je l'ai téléchargé, je l'avais précommandé parce que en fait le jeu, je l'ai testé à la Paris Games Week. Voilà, je l'ai trouvé vachement intéressant et je me suis dit qu'il fallait forcément que je le teste à la maison et que je l'achète. Donc voilà, je l'ai acheté direct et puis là, sorti aujourd'hui, téléchargé dans la journée et donc petit live. Alors désolé si au cours du live parfois je tousse ou quoi, ou je me racle un peu la gorge. Je suis en semaine Covid, voilà. Donc forcément, il y a encore des petites traces de Covid en moi. Mais vous inquiétez pas, à travers le live, c'est safe, vous pouvez rester. Et du coup, eh ben c'est parti, on va attaquer direct ce live avec le jeu. Hop, je vais lancer le jeu. Alors, je ne l'ai pas encore lancé. Donc, il y aura peut-être des touches à régler, des trucs comme ça. D'ailleurs, je l'ai testé sur la Paris Games Week sur console avec une manette. Là, du coup, je vais prendre au clavier, mais je ne sais pas si c'est mieux de prendre clavier, manette ou quoi. Donc, on verra au fur et à mesure quoi, ce que ça donne. Si jamais ça le fait pas, eh ben, je lâcherai mon clavier pour une manette. Et voilà, chose que je vous ai pas dit, The Devil in Me. Alors bon, forcément, comme il y a Devil, vous allez peut-être vous dire, c'est un peu un jeu d'horreur. Et bah oui, tout à fait, c'est ça, c'est un jeu d'horreur. Là voilà, je commence à me racler la gorge, c'est bon ça. Alors. Je vais me remettre ici en mode normal, ça va m'éviter. Chut. Tac, voilà. Je vais pas me mettre en mode perf pour l'instant, on va voir ça comme ça. Et je vais voir un peu ce que ça donne. Tac. Alors, charte de confidentialité, on va l'accepter, on s'en fout un peu. Hop. Ok, alors. Ajustez le curseur jusqu'à ce que l'image de gauche soit invisible. Celle du milieu à peine visible. Ok. Oula. Ah mais là, elle est invisible. En fait, ça... Et celle du milieu à peine visible. Comme ça, c'est pas mal. Je sais pas ce que ça donne, vous, sur le stream. Mais moi, ici, ça me paraît pas mal. Après, si je fais trop, j'ai peur que... Ça merde. Alors, paramètres. On va tout de suite regarder les paramètres. J'espère que ça va être fluide sur le live. Je vais peut-être descendre un peu la qualité. Éventuellement, je vais voir ce que ça donne. Affichage. HDR, oui. Paramètres HDR. D'accord. Luminance, ok. Ajuster le curseur jusqu'à ce que le logo soit... à peine visible. Il y a un logo au milieu là. Ça change rien. C'est quoi l'histoire du logo là? Moi je vais le relaisser par défaut. Je vois pas de logo. HDR et luminosité, c'est tout. Il n'y a que ça. Ok, d'accord. Donc échappe, retour. Ah non, c'est graphisme moi que je voulais. Voilà. Ok. Va se mettre plutôt en sans bordure, ce sera plus pratique. Synchro vertical, non. Qualité haut. Nanana. Ombre normal, normal. Je vais tout mettre en normal. Allez. C'est pour être sûr que ce soit fluide au niveau du live. Voilà. Ok. Tac. Donc là, il va passer en mode fenêtré, sans bordure. Voilà. Tac. Et on sera sans doute un peu mieux là. Voilà, voulez-vous enregistrer ces paramètres? Oui. Affichage audio et langue. Réglage audio de base. Non, oui. Je sais pas ce que c'est. Mode nuit, mode cinéma, casque, casque. Puisque j'ai un casque, du coup, je vous conseille de mettre un casque aussi si vous suivez le jeu. Parce que peut-être que vous aurez un meilleur son avec un casque. Voilà. Volume des dialogues, volume des musiques. Je vais descendre un peu les musiques parce que généralement, j'aime pas quand ça pète les oreilles, les musiques. Barre latérale, sous-titre machin, français, français, bon bah tout est en français. Voulez-vous vraiment enregistrer ces paramètres? Oui. Analyse des données, mettre à jour la notion d'analyse des données, c'est quoi ça? Nous souhaitons regarder des informations relatives à votre utilisation. Non, c'est bon, on va pas. Hop, accessibilité, audio et langue, et commande. Les touches, important. ZSAD, ça c'est pas mal. Non, par contre, gauche. Clavier, comment on modifie ça? Gauche. Voilà, avant, arrière, hop,
Droite, ok. Réinitialiser, viser caméra, c'est clic droit. Haut, personnage, bas, personnage, y a rien. Gauche, personnage. Viser de la caméra, viser de la caméra. Oh là là. Interaction, saisir, soulever. Changer, activer la lumière, c'est A. Ok. Saisir, soulever. Il faut que je mette une touche là-dessus. Ah, c'est. Pardon, c'est la souris. Non. Non, non, pas échappe. On va faire réinitialiser. Pas réinitialiser celui-là? Non, là, non. Voilà. Du coup, il a dû tout moins réinitialiser là. Voilà, gauche. Gauche, c'est ça. Ensuite. Alors, du coup, ce sera saisir, soulever, ce sera la souris. Ok. Interagir, ce sera pareil, la souris. Traverser, ce sera espace. Ok, inspecter haut, inspecter bas. Bon, on verra au fur et à mesure, je pense, un premier emplacement, deuxième emplacement. On verra s'il me dit ou pas les touches. Sinon, bah, je reviendrai dessus. Allez hop, retour. Ouais, sauvegarde-moi ça. Allez, c'est parti. On va se lancer dans l'histoire. Donc j'espère que le son est bon et que l'image sera bonne. Ne jouez pas seul ou jouez seul? Si je vais jouer seul, je suis un ouf. Je savais même pas qu'on pouvait jouer à plusieurs. Histoire solo, nouvelle histoire. Difficile, clémente ou mortelle? Vos talents seront mis à l'épreuve, vous avez de bonnes chances de survie. Oh, on va essayer en difficile, hein. Là, j'avoue, je me suis pas rencardé sur est-ce que c'est dur ou pas. Bon, on va essayer difficile, on verra. Choisir un emplacement de sauvegarde. Ah, le premier, il est pas mal, hein. Allez. Pour jouer avec une manette, appuyez sur A. Pour jouer à la souris, appuyez sur la souris. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Osez. 8-7. Chaque choix a des conséquences. Certaines décisions peuvent sauver des vies. Je vous le lis du coup parce que je vois qu'il y a ma caméra qui vous gêne. D'autres conduisent à la mort. D'autres conduisent à la mort. La grande roue fait 80 mètres de haut, Jeff. Choisissez avec discernement. Bien d'accord avec toi, ma chérie. De là-haut, on doit avoir une vue imprenable. C'est la première chose que je veux faire. Mon bonheur est de te rendre heureuse. C'est toi qui me rends heureuse. Marie, hôtel de l'exposition. Tu veux dire que tu n'es toujours pas lassé de moi après toute une journée de mariage? Je ne me lasserai jamais de toi. J'espère que tu dis vrai, ma chérie. Eh bien, nous y sommes. N'est-ce pas sublime? Comme sur la brochure. Fantastique. Direction l'accueil. Personne. Serions-nous les seuls? J'imagine la cohue ce matin pour l'ouverture de l'exposition. Vous disiez la petite cloche sur le comptoir. Ah, voilà. Réessai? Y a personne. Ah, ah si, mais il n'est pas dans l'état de répondre, lui. Voilà qui n'augure rien de bon quant à la qualité du service dans cet établissement. Alors, excitation. Allons à l'exposition. Apaisement, le personnel doit être très occupé. Ne rien dire. Alors, on va faire apaisement. Le personnel doit être occupé ailleurs. L'accueil laisse un peu à désirer.
Ils nous font attendre car ils veulent s'assurer que tout est impeccable. Ouais. C'est tout toi, Marie. Tu vois toujours le bon côté des choses. Je vous présente mes excuses. Tant pour l'effet de surprise que pour cette longue attente. Mon attention j'aime bien lui, était déjà requise ailleurs. Je vous promets qu'à partir de maintenant, vous ne connaîtrez plus aucune des convenues. Bienvenue à l'hôtel de l'Exposition Universelle. Tenez. Signez ici. Vous découvrez Chicago ? Sans vouloir m'avancer, j'imagine que vous êtes venu pour l'exposition. C'est vrai, oui, mais c'est ça. Ce n'est pas tout. C'est une journée très particulière pour nous. Oh, ils sont fiancés. Oh, une lune de miel. Voilà qui est tout à fait charmant. Ma chère épouse, Madame Whitman, voudra-t-elle bien signer ? Oui, c'est aujourd'hui que débute notre lune de miel. Maintenez pour saisir des objets. Félicitations. Dans ce cas, vous méritez notre plus belle chambre. Vous décrochez la suite nuptiale. Oh, mais... combien cela va-t-il coûter ? Oh. Soyez sans inquiétude. Il n'y aura aucun supplément. Oh, qu'est-ce qu'il est sympa. Cadeau de la maison. Cadeau de la maison. Vous êtes nos premiers jeunes mariés. C'est très gentil. Merci, monsieur. Holmes. Henry Howard Holmes. Vous avez un très bel hôtel, monsieur Holmes. Oh, je vous remercie. Je l'ai pour ainsi dire conçu et bâti moi-même. Seriez-vous architecte ? Architecte. Inventeur. Maçon. Médecin. Artiste. Lol. Disons simplement que je suis un touche-à-tout. Impressionnant. Allez-y, faites ça comme chez vous. Ça annonce rien de bon quand même, ça, déjà. Hein. Nous proposons des souvenirs au comptoir de pharmacie. Je monte vos bagages dans la chambre et procède au tout dernier préparatif. Ça annonce rien de bon. Laissez un mot si un article vous intéresse. Je l'ajouterai à votre note. Merci, monsieur Holmes. Vous êtes bien aimable. Tout le plaisir est pour moi. Bon, on est d'accord qu'il est quand même très chelou déjà, lui. Il est très chelou. Alors, utiliser pour sélectionner. J'ai oublié de prendre. Appuyer pour saisir des objets. Ah, face powder. Ok. La trajectoire s'actualise quand l'histoire prend une tournure importante. Donc elle a pris ça. Ok, cool. Oh, pardon, mademoiselle. Prenez garde. Mon mari pourrait se montrer jaloux, alors gardez vos distances. Votre mari est un homme d'honneur. La lune de miel s'annonce bien. Très bien. Je vous remercie. Nous devrions monter. La chambre doit être prête. As-tu trouvé ce que tu voulais dans la vitrine à bijoux ? Quelque chose pour moi. Lol. Tu aimerais bien le savoir. Elle va lui raqueter un bijou, quoi. Il l'emmène déjà là, c'est déjà gentil. Je me demande ce qu'il y a là. Ratlin Suite. Private. Je commence à croire que j'ai épousé une vraie tête brûlée. Lol. La grande roue, la chambre interdite. Chercherais-tu les sensations fortes ? Possible. Cette chambre est encore en travaux.
On avait mieux en matière de frissons. Si tu crois pouvoir échapper à la grande roue... Je sais que tu ne renonceras pas. Tiens, qu'est-ce que c'est? Un cadavre là-dessous, je le sens bien. Oh, bouge pas. Appuyez sur, là, en rythme avec les battements. La touche peut devenir si vous restez calme. Allez, on recommence. Quelle émotion! Cela t'amusera moins si nous devons dormir dans la rue après avoir été expulsés. Lol. Allez, viens. Ah, du coup, on n'a même pas vu ce qu'il y avait sous le drap. Soyez les bienvenus dans notre suite nuptiale. Merci infiniment, Monsieur Holmes. Je vous souhaite un bon séjour. Si vous permettez, j'ai du travail à terminer. Je suis sûr que nous nous reverrons bientôt. Bah, bien évidemment. Seigneur, mais cette chambre-là est digne d'un roi! Ou d'une reine. Oh, toi. Quel charmeur, hein. Incroyable. Prends ça! Dis donc, ce n'est pas très gentil. Hé! Hey, ah, dans le mille! Tu l'auras voulu. C'était gamin. Alors, utiliser pour viser. Et appuyer sur la cible. Oh, pleine tête. Devrais-je avoir peur? Tu devrais. Appuyez sur la commande correspondante. Pitié, pitié, je m'avoue vaincu. Bonus débloqué. Tu n'as rien de cassé? Seulement ma fierté. Il est un peu cucu, lui, non? Et si nous faisions la paix? Tout ça pour j'ai faire la paix. J'ai plutôt l'impression que tu me tends un piège. Pas du tout. J'ai un cadeau pour toi. Voilà. Ferme les yeux face au miroir. Oh, tu es un grand romantique. Et si je reçois un oreiller au visage, je te jure que je t'étrangle. Tu vas lui passer un collier. Il y a un problème? Non. Tu peux ouvrir les yeux. Ouvre les yeux. Oh, Jeff! Il est sublime, merci! Parfait. À moi la victoire. Je vais te laisser prendre ton bain. Est-ce qu'il n'y aurait pas des caméras là-dedans? Ah bah voilà. Je m'en doutais. Il est un peu glauque cet hôtel, ça se voyait de base, je m'en doutais. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça s'ouvre pas. Appuyez plusieurs peut-être fois. Peut-être forcer un peu. Avant que le temps ne soit écoulé. Sésame, ouvre-toi! Merci. Si tu allais te raser pendant que je prends mon bain, ensuite, eh bien, nous aviserons. Un verbe dangereux. J'espère qu'on pense à la même chose. Va te raser. Je crois que j'ai oublié mon nécessaire de rasage.
Ils en vendent sûrement au comptoir en bas. Ne traîne pas trop dans ton bain. Ne t'inquiète de rien. Ah ouais, la salle de bain, elle est même pas dans la chambre, quoi. C'est salle de bain sur le palier, quoi. C'est hôtel Formule 1, le truc. Alors, s'installer à l'hôtel, trouver un nécessaire de rasage. Oula, 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 oula. Beaucoup trop sensible, la souris. C'est dans quoi? Ça va être dans commande, peut-être? Sensibilité de la souris. Petit 7. Ça me paraît pas mal. Est-ce qu'on est mieux, là? Hop, hop. Ah, c'est... Un petit 2. Petit 2, ça peut être pas mal, je pense. Ouais, déjà 2, c'est bien, hein. Allez, allons en bas chercher le nécessaire pour se raser. On peut ouvrir? Ne fais pas ça. Pourquoi? Ah, c'est verrouillé. Putain, il faut que je diminue encore ma sensibilité, c'est pas possible. Et il monte la sensibilité sinon. Allez. Il doit y avoir des caméras partout, maintenant je vais être parano, quoi. J'aurais pourtant juré que nous venions de là. Je me suis perdu. Quoi? What? Seigneur. Il y avait un piège ici. Marie! Elle n'entend rien. Et il va lui arriver des bricoles. Est-ce que ça va vraiment être de l'eau? Si. Ah, apparaît à l'écran, vous pouvez vous équiper d'un objet. Appuyez sur. Pour vous équiper d'un objet. Équiper un objet, par contre, c'est pas du tout à côté, quoi. Bon, on imagine qu'il y a aussi des caméras dans la salle de bain, forcément. C'est toi, mon chéri? Jeff? Oh, est-ce encore un de tes petits jeux? Lol. Ah, vas-y, je vais faire se détendre. Déjà rentré? Tu sais, j'ai rarement vu une baignoire aussi spacieuse. Il y a largement de la place pour deux. Oh. Ça fait du bien. Aïe. Tu ne connais pas ta force. Sois plus doux. Jeff, tu me fais mal. Bonjour, ma jolie. Un peu de calme. Il ne faudrait pas déranger les autres clients. Lâche-moi! Ah ouais, direct, il va la noyer. Vous offririez un peu plus de résistance. C'est quoi de trajectoire actualisée à chaque fois? Visiteur de l'hôtel. Marie a décidé d'ignorer le bruit. Marie n'a rien trouvé d'assez lourd pour blesser Holmes. Uhum.
Ok. Et voilà. Il l'a tué ? Le calme est revenu. Bah, il est ouf, lui. Elle n'a pas vécu longtemps, celle-là. Bon, bah, ça c'est fait. Qu'est-ce que vous faites ? S'il lui est arrivé quoi que ce soit, je crains qu'il ne soit un peu tard, cher monsieur. Délire. Ça ne va pas, monsieur. Quelque chose me dit que c'est pas de l'eau qui va tomber d'ici, voilà. Moi, ils auront pas duré longtemps, ces deux-là. Harry ! Oh non ! Marie. Ah, l'autre sadique qui regarde en plus. Trajectoire actualisée. C'est le même ou c'est un autre ? Une place pour chaque chose. Chaque chose. À sa place. À sa place. Je m'en doutais. Tiens, regarde ça. Oh, c'est magnifique. Rien n'est trop beau pour toi. Mère en serait malade. C'est tellement Je magnifique. Sais. Mon brave, travaillez-vous ici ? Mon brave. Bonjour. Bienvenue à l'hôtel de l'Exposition Universelle. Je l'aime beaucoup, cet hôtel. C'est que déjà en moins de 5 minutes j'ai déjà fait mon premier choix. En moins de 10 minutes j'ai fait mon premier choix qui a tué la fille. Ça se trouve elle serait pas morte si j'avais été voir le bruit. Du coup le mari non plus peut-être il serait pas vraiment mort. Tout est de ma faute. J'ai tué les deux.
Une plume. Oh, c'est vous. Vous attendez depuis longtemps? Bienvenue dans ma collection. J'y garde de nombreuses histoires, sombres, effrayantes, horribles. Je suis le conservateur. Le conservateur. C'est bon d'avoir de la compagnie. C'est pas mal. Pendant longtemps, j'ai été solitaire. J'ai parfois l'impression d'avoir toujours été là, à veiller sur ces histoires. Mais à quoi sert une histoire, si nul ne peut s'en émouvoir? Notre récit s'intéresse à des créateurs et à tout ce qu'ils sont prêts à faire pour la pureté de leur art. L'art peut susciter toutes sortes de réactions. Le plaisir, l'inspiration, le désir, oui. Mais aussi le doute, la peur, l'angoisse. Vos réactions, les décisions que vous prendrez, affecteront l'histoire. Ok. Dans ce monde, vous trouverez d'étranges images. Elles vous donneront un aperçu des conséquences possibles de vos choix. Méfiance, car les choix les plus insignifiants ont parfois les plus grandes répercussions. Vous êtes responsable de ce qui arrive. La faute vous revient. Je ne peux intervenir. Cela m'est formellement interdit. Je ne peux qu'observer ce qui se passe et consigner scrupuleusement tout événement conséquent. Oh. En avez-vous déjà vu? Elles sont anciennes. Jadis, on les appelait oboles. On les insérait dans la bouche des nouveaux défunts pour payer le passeur. Lol. Ouvrez bien l'œil. Vous les trouverez aux endroits les plus étranges. Je me ferai une grande joie de vous les échanger. Et je saurai récompenser vos efforts. Bien, sommes-nous prêts? Que le spectacle commence. Je vous regarde faire. D'accord. Je suis Kate Wilder et j'ai un master en criminologie. Je suis devenue journaliste pour faire bouger les choses. Je ne sais pas si vous avez vu mon interview sur Chicago AM. Et oui, les gens ont tendance à penser que je suis une garce parce que je dis ce que je pense. Mais non, bien sûr, je ne suis pas parfaite, comme tout le monde. Mais je fais de mon mieux, je... Moi, c'est Marc. J'ai étudié la photographie à UCLA. Et c'était passionnant. J'aimerais bien me remettre Marc, à la photo okay. un jour. Ok. Mais ouais, c'est un bon job. Je suis machinot et éclairagiste. Je mets les problèmes en lumière. Machinot et éclairagiste. C'est pas souvent qu'on fait des rencontres comme ça et comment dire... J'en ai marre d'être toute seule. Je commence par mon expérience professionnelle ou... ma vie privée? Parce que je veux dire, ça va être diffusé après? Exactement. J'ai pas trop parlé de ces choses-là. Ouais, Charlie Lonit, du Royaume-Uni. Il y a de ça 20 ans. Notre dernière série était ultra prometteuse. Enfin, je veux dire, on avait vraiment bien bossé, mais... Ça n'a pas vraiment marché comme je l'avais espéré. Je vais pas vous mentir, c'était un beau bordel. Nous en avons assez entendu. Assez? Oh, mais ce n'est que le début, votre honneur. Vous ne semblez pas comprendre. Le diable a toujours été en moi. Lol. Je ne peux réfréner mes pulsions meurtrières, pas plus qu'un poète ne peut s'empêcher de chanter à tout va. Enterrez-moi, votre honneur. Remplissez mon cercueil de ciment à ras-bord. Enfouissez-moi 6 pieds sous terre et couvrez à nouveau le sol de ciment parce que, croyez-moi... Sinon je vais revenir. Même la mort ne m'empêchera pas de tuer à nouveau. Nous sommes le 7 mai 1896. Herman Mudgett, alias Henry H. Holmes, est envoyé à l'échafaud. Son cou ne s'est pas rompu sous le choc de la pendaison. Alors le monstre suffoque,
suspendu pendant plus de 15 longues minutes, avant de rendre son dernier souffle. Le premier tueur en série américain avait avoué 27 meurtres. Mais à mesure que les enquêteurs retracèrent son parcours, suivant sa trace de ville en ville, le nombre ne fit qu'augmenter. Il aurait pris 200 vies. 200. Holmes, le premier tueur en série américain, est peut-être le pire. Son corps a été enseveli sous des tonnes de béton. Espérait-il ainsi échapper au jugement de Dieu ? Ou cherchait-il vraiment à empêcher le démon de sortir pour frapper à nouveau ? Alors ? Verdict ? Honnêtement, Charlie, c'est plus que... Une seconde. Lonit Entertainment. Je souhaite parler à Charles Lonit. C'est moi. Appelez-moi Charlie. Mon nom est Grand Thème Dumet. Que puis-je faire pour vous, Monsieur Dumet? C'est plutôt à moi de vous poser cette question. Écoutez... Je vous remercie sincèrement, Monsieur Dumet. Tout cela est alléchant, mais j'ai peur que ce soit trop beau pour être vrai. Pardon. Non, je comprends. Je jouis d'une position privilégiée. Je ne manque de rien, mais mon temps est des plus précieux. Nous devons commencer aujourd'hui. Mon chauffeur passe vous prendre cet après-midi, à 16h. Soyez prêts. Cet après-midi ? On parle d'un tournage de 2 jours. J'ai dit à mon équipe qu'ils étaient libres ce week-end, et franchement, je doute qu'ils soient d'accord. S'ils disent non, autant vous dire que c'est mort. On est... J'ai posé mes conditions. Ne me faites pas perdre mon temps. Acceptez-vous mon offre, oui ou non? Oui, bien sûr. D'accord. Je les amène. Promis. On fait ça. J'ai un groupe de 5 personnes. Je vais incarner ces gens-là, j'ai l'impression. C'est Monsieur Dumet qui vous envoie? Ok. On charge le matos. C'est bon. C'est bon. Désolé. Vraiment? Enfin, c'est le ring light. Tu fais briller. On peut tracer si tu... C'est bon, d'accord. Ça va être génial, je vous le dis. L'aventure, le frisson. C'est pas beau? C'est parti! Hurrah! Ouais! Youpi. Et ils se mettent à faire confiance comme ça à un mec. Je sens que ça va être génial. Qu'ils connaissent pas, quoi. Je sais pas comment il leur a vendu le truc, le mec, mais en tout cas, il a réussi à les attirer direct. On peut savoir où on va exactement? T'aimes pas les surprises? Vous savez à quoi ça me fait penser? Non, arrête. Topeka. Exactement. Moi, pas une thune en poche, téléphone HS, perdu au milieu de cette putain de ville. Pas ma faute. C'était entièrement de ta faute. Parce que tes plans, ils sont toujours foireux. Donc, raconte. Qu'est-ce qu'on sait sur ce type? Il est riche, reclus et obsédé par Asher Holmes. Encore un barge, quoi. On se rend dans une propriété qu'il a héritée d'un proche à lui. Un proche obsédé par Holmes. Certaines pièces sont des répliques exactes du château des meurtres. Dumet a des documents, des plans, des objets d'origine. Quand j'ai dit que ça sauverait l'émission, je racontais pas des conneries. Lol. T'es sûr que ce type est fiable? Vous devez me faire confiance. Désolé pour tout ce mystère. Avant toute chose, je dois vous demander de déposer vos téléphones dans cette boîte. Cela peut sembler étrange, mais bien que j'ai décidé de vous laisser filmer ma collection personnelle, je ne peux risquer de voir des informations préjudiciables ça, à mes ça affaires fait ou à du mon plan, vous en aviez parlé exposées à mon insu. Il y aura des règles. Je devrai valider toutes les images que vous souhaiterez utiliser. Je tiens à préserver ma vie privée. C'est chaud. Ce n'est pas négociable. C'est chez lui, il décide. C'est une occasion unique. Il pourrait nous faire payer, mais non. Si c'est tout ce qu'il demande, ça vaut le coup. Ok. Pour l'émission... Vous allez voir, ça va être génial. C'est ce que t'avais dit à Topeka. Hum.
Blindé comme il est, il devrait avoir des domestiques, non? Il compte nous aider? Non. Non, c'est bon, je m'en occupe. Merci bien, mais ça va aller. Abruti. Très bien. Bon. Et maintenant? Faudrait qu'on fasse un plan large du lac et des alentours. Il y a beaucoup trop de brouillard pour ça. Là, là-haut, on aura une meilleure vue. Ça fait une... belle hauteur. Mais c'est vrai que les images seront géniales. On cadrera au-dessus du brouillard. Charlie, tu vas faire une crise cardiaque avant d'arriver là-haut. Moi pas, je suis vachement sportif. Marc, c'est de la folie. Ça va le faire. Allons-y, Charlie. Soyez prudent, hein. C'était un plaisir. Voilà. Allez. Ok. Allez, fais-moi grimper. Voilà. On va jouer un peu quand même, parce que Peter a beaucoup de cinématiques. Hé, hey, oh, dépêchez-vous. On arrive. Oh la vache, quel boucan. Bah, c'est fait pour être entendu à des kilomètres. Je sais, mais quand même, ça surprend. Warning. Ah, je crois que notre plan tombe à l'eau. On doit pouvoir trouver un passage. Inspecter, ok. Suis-moi. Filmer du haut du phare. Prêt à tout pour une séquence, okay. Hein. Alors, ces falaises sont sujettes à l'érosion et peuvent s'effondrer dans les eaux. Les falaises risquent de s'effondrer sous nos pieds. Désolé, mais je tiens à la vie. Non, ils ont juste installé ce panneau pour éviter les poursuites, mais ça craint rien. Je suis pas de cet avis. Allez, on va tester quand même. Au fait, Marc, je voulais te remercier de m'avoir soutenu tout à l'heure. Pourquoi? Pour l'excursion au phare? Non, pour ce voyage. Tu sais combien certaines personnes sont difficiles à convaincre. Jamie et Kate ne seraient jamais venus si t'avais pas été là. Je me suis dit que, vu comment on galère avec la série, on ne pouvait pas vraiment refuser. Ouais. C'est vrai. Tu as raison. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là? Inspecter. Ça a dû être terrible. À la mémoire des victimes. De la grande tempête du 1er mai 1907 dans laquelle 187 personnes périrent. Parmi l'équipage et les passagers du SS Cassiopeia qui s'échoua sur les rochers au pied de ces falaises. Cool. Ok, cool. Et ben voilà, on est arrivé. Ça c'est un peu dangereux quand même ce qu'ils font. Ils arrivent chez le mec, au lieu de lui demander gentiment son avis. Si je fais ça, ça fait le briquet? Ah ouais, par contre les touches sont trop longues. Ça serait peut-être mieux à la manette. Hein. Et je regarde. Au fait... Après le tournage, j'aimerais prendre 2 semaines pour aller voir ma famille. J'ai besoin que tu restes. Tu es le seul qui a l'œil pour ce genre de projet. C'est un peu compliqué pour moi en ce moment. Si après je vais passer à la manette, c'est plus facile. Ouais, bien sûr, je comprends. Prends 1 ou 2 semaines. Le temps de faire le point. Je te remercie. J'assurerai seul le montage. Tu devrais faire pareil. Prendre des vacances. T'as pas de la famille chez qui squatter? Pas de Madame Lonit dont t'aurais oublié de nous parler.
J'ai épousé mon job. Épousé mon job. Et il marche bien, ce mariage? Si j'en crois ce qu'on dit sur les vrais mariages, je m'en sors pas mal. Épouser mon job. Cool. Pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Allez. Wow, c'est quoi ce truc? Lui, il m'a surpris. Un mannequin, c'est tout. Juste... T'as une surprise, je m'y attendais peut-être trop pas. Que ça vient d'un musée ou un truc comme ça. Mmh. Ouais, t'as sûrement raison. Ouais, il m'a bien fait flipper en tout cas, je m'y attendais pas. Screamer réussi quoi. Allez, je lui fais la courte encore. On y va? Ouais. La lumière sur la brume, elle est superbe. Tu veux faire des plans pour l'émission? Je trouve ça beau, c'est tout. J'arrive. Ah, c'est fermé à clé. C'est fermé. L'œil du photographe. C'est pas un truc qui se commande. Il y a des points communs entre la créativité et les trucs commerciaux. T'en es bien sûr? Parce que les points communs avec Kate, c'est pas vraiment... On a décidé de laisser ça de côté ce week-end. Veille simplement à rester concentré. Ouais, examinez, il y a un truc là, c'est quoi ça? Fermeture de l'usine à poissons. La grosse éclate. Voilà. Allez. J'avoue que la sensibilité souris, elle me plaît pas trop quand même. Ce sera plus simple avec une manette. Allez, rampons. On va passer par l'arrière. On va bien trouver un truc ouvert à l'arrière, non? Là. Voilà, c'est fait. Eh mais sérieusement, c'est quoi cette caméra qui tourne d'un seul coup là? Ça a pas l'air tout neuf. Alors, si Tap apparaît à l'écran, vous pouvez vous équiper d'un objet. Appuyez sur Tap pour vous équiper d'un objet. Charlie peut utiliser sa pince à cravate pour ouvrir les boîtes verrouillées. C'est pas nouvelle ça. Vas-y Charlie. Ah bah tiens, j'ai récupéré déjà un Qu'est-ce premier jeton là. Une vieille pièce. Les oboles pour débloquer des diaporamas. Ok. Sur ce coup-là, je vais me refaire. Allez, fous ça dans ton inventaire et on y va. Tu sais, désolé si de temps en temps je suis un peu dur, mais sache que sans toi, j'arriverai à rien. C'est pas vrai. La porte va être fermée, je pense. Au volant. Au volant? Celui de Lonit Entertainment. Mais c'est toi qui fais tourner le moteur. Tu connais rien en bagnole. Oh, ça va, j'essayais de te faire un compliment. C'est verrouillé. Merci, Charlie. C'est gentil. Ça ressemble un peu à un certain jeu là où il faut falloir pousser ce truc là. Vous pouvez pousser et tirer certains objets, interagir. Non, là tu montes dessus là. Ici.
Allez. C'est bon, on fait rien de mal. Dès que ta place est en prison. Là, là. Wow, c'est quoi ce truc? Approchez d'une cachette et maintenez A. Ravi de t'avoir rencontré. Il y avait une bestiole. Lol. Où est-ce qu'il veut faire ses plans du coup lui? On peut mettre le briquet. Pour voir un peu mieux. Là il y a une super cuisine. Ok, tout est déglingué, tout est déglingué. Ah ouais. Il manque plus que des draps propres et de jolis rideaux. Et quelques litres de désinfectant. Lol. Vas-y, on va monter direct. Hein. Je pense que l'idée c'était de monter, non? Ça donne envie avec tous ces animaux sur les murs et tout là. Ça met en confiance, hein. Charlie, ça devient carrément flippant là. Ça va, c'est de la taxidermie. Détends-toi. Ouais, c'est rien du tout. Un hobby quoi. High voltage, on peut faire quelque chose là? Non? Ouais, c'est l'échelle qui les intéresse. It's gonna be okay, it's all gonna be okay. C'est passé en anglais? Vise-moi ça. C'est parfait. Il y a un petit bug. Allez, à toi de bosser. Tu me fais un panneau sur le lac jusqu'à ce que l'île arrive dans le champ. Et là, tu zoomes sur le phare. Ouais, il fait pas ça comme un pro en tout cas. Hein. C'est le bateau. Allez, viens, on redescend. Quoi, c'est le bateau? On attendait un bateau pour aller quelque part. J'ai pris une manette. C'est lui? J'en sais rien. Je l'ai eu quoi au téléphone? Mais comment il a su de quoi parler notre docu au fait? Je ne lui ai pas demandé. C'est bizarre. Lol. Essaie d'être sympa, ok? Bonjour! Monsieur Lonit, essayez de voir si on peut voir ça. Je suis Grand Thème du Met. Montez à bord, le bateau va partir. Voici Mark. Mark. Erin, Jamie. Enchanté. Et voici Kate. C'est un honneur, Monsieur du Met. J'ai hâte de découvrir tout ce que vous avez à nous montrer. Et quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Très heureux de vous rencontrer. Bien, mettons-nous en route. Au fait, je vous remercie encore pour votre offre généreuse. Ce n'est rien. C'était donc votre grand-oncle qui... Encore un peu de patience, je vous prie. Là-bas, je vous expliquerai tout. Oui. D'accord. Cool. J'essaie de brancher une manette, on va voir si c'est mieux. Lui aussi, il est chelou. On est d'accord. Nous allons prendre le chemin de l'hôtel. Merci de rester groupé. On ne s'éloigne pas. Elle est dangereuse, cette île? Non, aucun danger. Vraiment? Je vous trouve pas très convaincant. Vous ne craignez rien. Mais nous sommes loin des secours. Si quelqu'un vient à se blesser, alors prudence. C'est la galère.
En tout cas, la propriété est bien balisée. Waouh. Suivez-moi. Vous pouvez laisser vos sacs, je vous les ferai monter. Agacement, je suis... C'est quoi, je suis... Pas en tenue de randonnée. C'est vrai que... Monsieur Dumet ne plaisante pas avec la sécurité. Je crois que la manette, elle est pas reconnue, là. Si ? J'ai pas compris comment passer d'un côté à l'autre, alors. Paramètres. On va regarder, du coup. Commande. Touche, icône Xbox, ok. B, retour. Je me demande ce qui veut empêcher d'entrer. Je devrais plutôt te demander ce qui veut empêcher de sortir. Jamie. Non. Ça. Faut que t'arrêtes les films d'horreur. Il protège sa vie privée. On le sait depuis le début. Depuis le début ? Ça fait 2 heures. Allez, avance. Marc, prends ta caméra. J'aimerais tourner une petite intro ici. Je veux faire quelques plans sur le chemin de l'hôtel. Pas besoin de tout filmer. Kate, tu te mets face caméra et je te dirige d'ici, ok ? Pas de photo. Aucune image de moi, merci. C'est bien clair. Je tiens à ma vie privée. Pas de soucis, monsieur Dumet. La discrétion a toujours été notre mot d'ordre. Je te fais l'intro habituelle, Charlie ? Oui. Lumière ok. Pour moi, c'est quand vous voulez. Le son est nickel. Parfait. Allez, c'est parti. Est-ce que Kate est prête ? Moi, je suis toujours prête à tourner. Arrête. Je vais finir par t'aimer. Ça tourne. Idem. Et... action. Je me trouve aujourd'hui sur une île privée qui renfermerait une collection d'objets ayant appartenu au terrible H.H. Holmes. Et je me dirige vers l'hôtel. Parfait, Kate. Tu te tournes vers la maison. Et... vas-y, tu marches. Ça suffit. Allons-y. Et... coupez. Il faut vraiment que nous avancions. Comme vous voudrez, monsieur Dumet. Par là. Tu feras d'autres plans, hein ? T'inquiète. Ah, mais s'il est pas mort avant, vous êtes gentil, vous demandez des plans et tout, mais... l'autre en chelou avec son ciré jaune, déjà. Fait un peu combinaison... toxique. Monsieur Dumet est un homme bien mystérieux. J'ai remarqué. Je voudrais que tu fouilles les environs, sans qu'il le sache. Il a quand même le droit d'avoir une vie privée. Ce type est louche. Je veux savoir ce qu'il essaie de cacher. Une fois qu'il arrive là, qu'il dit ce type est louche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je veux que tu fasses comme avec les flics à Glendale. T'es sérieux ? Ah ! Aïe ! Oh merde ! Putain ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça va ? Trébucher sur ton ego ? Nous nous occuperons d'elle une fois à l'hôtel. Oh mais merde, je peux pas marcher. Jamie, reste avec elle. Pourquoi moi ? Tu es la plus qualifiée. Tu l'as soignée à Glendale. Tu t'en souviens ? Oh, ouais. Ok. On va chercher de la glace et des bandages vite fait. Vous avez ça à l'hôtel ? Oui, bien sûr. Alors en route. C'est quoi ce cirque ? Viens, je t'expliquerai plus tard. Lol. Fini par prendre des cours de théâtre ? Ouais, ouais. Il veut quoi, Charlie ? Plus d'infos sur le terrain. Et pourquoi ça tombe sur nous ? Je suis charmante. Et toi, tu sais déjouer la sécurité. Allez ! T'as vu la gueule de la sécurité si elle la démonte avec un tournevis ? On appelle pas ça de la sécu, hein. Je vous explique, c'est que la manette n'est pas reconnue. Enfin, elle est reconnue un peu, mais hop, pourquoi je peux pas avancer avec la manette ? Paramètres. Commande. Touche. Voulez-vous vraiment enregistrer ces paramètres ? Oui. Alors. Ok. Arrière. Gauche. Ok. Droite. Non, gauche. Droite. Ok. B, retour. Enregistrer, oui.
Là, je peux y aller, non? Non. Ah non, en fait, il veut pas. Ah, c'est marrant, ça. Bon, bah, je vais continuer d'utiliser le clavier, du coup. Hop. Je vais enlever la manette. Tac. Et on est reparti au clavier. Allez, c'est parti. J'essaye la prochaine fois de lancer le jeu avec la manette, peut-être. Hé, si je te pose une question, tu peux me répondre sincèrement? Je veux dire, sans que tu fasses la manip. Salut Manon. Comme toujours, ou que tu me balances une de tes vannes. Je suis avec ta groupie l'as noir. J'avais pas vu ton commentaire. Hein, salut, salut. Ça va? À ton avis, est-ce qu'on a une chance de sauver l'émission? Salut l'as noir. Qui sait? Je voulais jouer si à la manette. Ça marche pas. Le Saint Graal des images ou de l'info dans cette baraque. Tu crois que c'est possible? Non. Une chaussure. Au mieux, on aura des images sympas. Mais c'est pas ça qui va nous sauver les miches. Ah, vous avez bien fait de venir sur ce jeu. Je suis sûr, elle est super sympa. Ah, keep out, propriété privée. Ok. Bon, on va y aller quand même, hein. Allez. En fait, je suis Ah, il y a des fois où ça parle en anglais. Alors que ça devrait être français. Si vous voulez l'histoire, c'est... Je suis avec une équipe qui doit tourner un reportage sur un ancien tueur en série américain. Et en fait, on est chez un mec qui a appelé le réalisateur pour lui dire qu'il avait des choses à lui montrer sur ce tueur en série, qu'il avait notamment reconstitué une partie de l'hôtel où le mec avait fait ses crimes, tout ça. Enfin, voilà. Watch your head. C'est sympa, c'est dommage, c'est pas tout le temps en français, mais moi je dis qu'il faut aller là. Il y a une porte là, il y a un truc, danger, alarme. Il y a une alarme, c'est le meilleur moyen pour se faire repérer. Non, on peut rien y faire. Alors on va passer par là. Il aurait pu nous le dire qu'on allait faire du sport. Et du coup, la Snor, je sais pas si tu te rappelles, à la Paris Games Week, il fallait que... On connaissait pas trop les personnages, mais tu sais, il fallait qu'on en choisisse l'un des deux, là. Bon, en fait, les deux font partie du groupe du départ. Console-Mar. Merci de t'inquiéter. Ça me touche. C'était facile. Alors hop. Elle a des objets, elle? Non, elle a pas d'objets. Okay. Alors les touches sont pas très bien faites parce que pour accéder à mon inventaire, c'est les touches flèches. C'est pas ouf ça. Et comme il a pas l'air de reconnaître ma... manette. Allez, vas-y. Des choses à voir là-haut? Non. Des arbres. Vous vivez ici, sur cette île? Chut. Baisse-toi. Avec votre famille? Ma femme est... décédée. Monsieur Dumet, dites-moi, est-ce que c'est bien un palmier? Il doit venir du continent. Je... Non, je ne crois pas. J'ai failli me faire voir, j'ai pas compris sur quelle touche fallait appuyer déjà. C'est pas ouf. Putain, mais la propriété elle est énorme quoi. Je sais même pas par où je dois aller. Plein de trucs qui sont destroy là. Faut ouvrir ici ou pas?
Non, c'est fermé. Et là, on peut pas passer. Derrière, peut-être, est-ce qu'on peut le contourner, ça? What about over there? Et pourquoi tu parles pas français parfois? Non, je peux pas passer là. Non, c'est fermé. En bas non plus là, on peut pas ramper. Vous rampez pas vous? Non, non. Tout à l'heure, j'avais un personnage qui voulait bien ramper, mais là, non. Alors, soit je peux passer là au-dessus. Voilà. Elle m'a suivi l'autre ou pas? Mon mate, ta cam est mal placée, je trouve. Pourquoi elle est mal placée? Sur le jeu, par rapport au jeu? Elle est trop grande, non? Dis-moi tout exactement, la soirée. Inspecter. C'est dégueulasse. Ouais, un rat, quoi. Oh non, bah... Allez. Dis-moi la snore pour la cam, je t'écoute. C'est pas toi qui cherchais un nouvel sur appart le perso. Ah ouais. Pas sûr d'avoir les moyens de vivre ici. Par contre, c'est vachement lumineux. Bah pour la prochaine fois, je la mettrai mieux sur ce jeu. Prémonition, je sais pas quoi. D'accord. C'est le problème, c'est que ça change avec tous les jeux le positionnement de la cam. Et que là, comme j'avais pas testé le jeu avant, l'ornithologie guide d'observation des oiseaux des îles britanniques. Ok. Et juste ça? Ah, ça y est, j'ai ouvert du coup. Bon, il y avait rien d'intéressant. Mais t'as l'air flippé quand même. Elle saute. Yes. Need to keep looking. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de les regarder. C'est bon ça. Quelqu'un ou quelque chose d'ailleurs. Si j'avais voulu faire de la randonnée, je me serais pas installé en ville. J'ai pas signé pour ce genre de conneries. Voilà, on peut pas y aller là, non. Je regarde vite fait, y'a rien à regarder derrière. Ah si, tiens, examiner là. C'est quoi qu'il y avait à examiner? Ah, j'ai retrouvé une pièce. Cool, ça m'en fait deux alors du coup. Putain, puis la cam, quand je fais des coups de souris, elle est violente. Oh, la galère à jouer, hein. Je vous le dis. On dirait une colonie de vacances pourrie. Lol. Colonie de vacances pourrie. Il se passe pas grand chose. Si, tout à l'heure, il y avait un petit screamer, vous l'avez raté, je pense. Ok. Si j'arrive à déplacer le wagon jusqu'ici, on devrait passer. Tu vas déplacer le wagon, c'est discret. T'as vu l'état du panneau de commande? Il est mort. Et il n'y a sûrement pas de courant. Ok. Donc on peut rien faire, quoi. Manon, merci pour le follow, Manon. Est-ce que c'est un consentement libre et éclairé ou est-ce que c'est mon mate qui t'a forcé? Franchement, ce jeu il a l'air vraiment sympa par contre au terme d'histoire.
un truc à regarder là-bas. Examiner. Encore une pièce. Putain, je les collectionne. Allez. Must be something around here. Ok. Il n'y a plus rien à faire. Tac. On peut descendre par là, peut-être. Ah, il y a un truc électrique, là. Imagine, c'est ton moi-anniversaire de mariage et tu regardes un live Twitch. Pourquoi moi-anniversaire de mariage? On va peut-être pouvoir le faire démarrer. Parce que... ça fait pas un an, ça fait pas deux ans, ça fait... ton moi-anniversaire. Pourquoi moi-anniversaire? J'ai pas compris. On peut refaire quelque chose, Jamie, maintenant ou pas? Non, toujours pas. T'aurais pas une idée? Voilà, Jamie, elle a une idée. Alors, appuyez sur A pour vous équiper du multimètre. Jamie peut se servir du multimètre pour repérer les boîtes à fusibles. Pour réparer, pardon, les boîtes à fusibles. Alors, vas-y, j'ai pris le multimètre. C'est comment qu'on fait? Et... ah, d'accord, faut faire ça. Quoi ce délire? Je comprends pas. Mais il y a un bug dans les touches, c'est pas possible. Ah, c'est avec ces touches là. Ah putain, c'est tellement mal fait. Alors attends, on va essayer de faire comme ça. Donc là, il mettait celui-là. Après, il mettait celui-là. Après, il mettait celui-là. Non. Après, il mettait celui-là. Après, celui-là. Après, celui-là. Celui-là. Et maintenant, celui-là. Ah ! Putain ! D'accord. Ah, les 5 mois ! Ah, vous fêtez tous les mois votre mois anniversaire. C'est mignon. Eh bien, joyeux mois anniversaire à vous. On peut y aller maintenant, du coup, ça marche? Mais non, ça marche pas, du coup, j'ai même pas regardé ce qui s'était passé. Non, parce qu'ils sont automatiquement passés de l'autre côté. Ah bah si, y'en avait pas tout à l'heure à cet endroit-là. Je suis bête. J'ai monté le truc. T'entends? Ah, bah y'a le monsieur avec son ciré jaune. Il les a vus. Mais pourquoi elle se cache pas? Tout à l'heure, il me disait que c'était A, et là, il se passe bonjour. Rien. Bonjour. Je me demande qui tu es. Eh, parce que j'ai mis la manette, ça a dû faire merder tout à l'heure. Commande. Touche. Changer, désactiver les lumières. Se cacher. C'est où se cacher? Je sais pas. C'est où qu'il y a A? Activer, désactiver la lumière, c'est A. Mais c'est naze. Je trouve pas les... ouais, ça doit être QTE 1. Ah bah remets bien A, hein.
Bon, en tout cas, j'ai pas réussi à me cacher, mais il a rien dit. Bon. On va aller le voir. Il était là-haut. On va essayer de voir si on peut pas le rattraper. De toute façon, là, c'est fermé, on va dire. Voilà. Je me demande ce que c'est. Là, c'est fermé aussi. Allez, on va grimper. On va rattraper le mec en jaune, il va nous casser la gueule. C'est un peu lent quand même l'action là. Oh, oh, ça va beaucoup mieux. J'avais juste besoin de me reposer une minute. Ça devrait aller. Il y a un raccourci par la colline. Je vous ai instamment demandé de ne pas vous éloigner. Entendu, monsieur Dumet. Tout le monde est là. Allons-y. On va gentiment suivre monsieur Dumet sans se disperser. C'est compris ? Kate. Qu'est-ce que t'en dis ? Un camp de vacances en enfer. Lol. Peu importe. On va pas tarder à trouver ce qui magouille dans son coin. T'inquiète pas pour ça. Mmh. Ah, le pont, déjà, j'ai pas trop confiance si on est trop nombreux. Ah. T'es sujet au vertige ? Peut-être. Non. Oui. Oh non ! On va tous mourir ! Elle a fait la maline, elle a moins faire la maline tout à l'heure. Oh là là, détends-toi, Marc. Allez, Marc, avance. Oh, c'est vachement haut. C'est des trolls. La vache. Empathie ou gaieté ? Oh, empathie, tu peux y arriver, allez. Tu peux le faire. Regarde devant, pas en bas. Ça ira, c'est bon. T'en es bien sûr ? J'aurais pas dû regarder. C'est rien que de l'eau en dessous. Tu sais nager. En plus, le pont a l'air plutôt solide. Non ? Ouais. Allez, je suis là. Allez, donne-lui la main et traverse, là. Oh là là. Comme ça. Tu vois, c'est facile. Je regarde pas. Tu regardes tout droit. Ouais. Il est cucu quand même un tu peu. Tu vois ? C'est pas dur. Merci. Tu trouves toujours les mots pour me motiver, toi. Lol. On devrait rejoindre monsieur Dumet. Où sont-ils passés ? Excusez-les, ils viennent de la ville. Allez, on se bouge, on n'a pas toute la journée. Ça y est, ils sont tous là. J'arrive enfin à l'hôtel ou pas encore ? Je veux qu'il se passe des dingueries là. C'est beau. Monsieur Dumet, cet endroit est incroyable. Ouais. Ce sera peut-être pas un week-end perdu. Lol. Salut. Je me demande qui tu es. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai vu une gamine. Là-haut. C'était ta seule fan. Et tu la verras plus jamais. T'es non. Vraiment une connasse. Tout ce qu'il y a ici est fragile. Surtout, faites attention. Waouh, j'en reviens pas. Waouh. Regardez ça. C'est... à tomber. C'est juste insensé. Et leurs affaires, elles sont déjà là ? Voulez-vous bien tous signer le registre, je vous prie ? Il
n'y a pas tout le matériel, là. Le reste ne devrait pas tarder. Je le ferai monter dans vos chambres. La trousse à maquillage de Kate nous a ralenti. Lol. Erin, mes cigarettes. Dans le sac à dos bleu. Allez vous installer. Je vous retrouverai pour le dîner. Donc c'est l'hôtel où le serial killer, il a fait Monsieur Dumet, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. C'est vraiment un lieu fantastique. Je vous l'avais pas dit que c'était un super plan. Ah, je le savais. Ça fait comme un film, du coup, Manon. Et Emric. Il y a quand même beaucoup plus d'histoire que de passages que je joue, pour le moment. Qu'est-ce qui se balance sur sa chaise? Ah, te voilà enfin. Boulot, boulot, boulot. Tu n'as pas arrêté de la journée. Et moi, pendant ce temps, je me faisais un sang d'encre. Tu t'es volatilisé sans même me laisser un mot. Ouais, ok, d'accord. C'est ma chance. Oh ! Pardon. T'es à cran. Oh, mon Dieu ! Je crois que j'ai failli mourir. Lol. Comment ? Tu m'as pas entendu ? J'étais... Je crois qu'on n'est pas tout seul ici. Kate a vu une petite fille qui regardait par la fenêtre tout à l'heure. Moi aussi, je l'ai vue. Une gamine. Monsieur Dumet a sûrement de la famille, des amis, des employés. Cela dit, n'empêche que... Ce lieu me fout les jetons. Disons que... Il est spécial. Et tu... chantais ? Oui, c'est ma chanson quand j'ai peur. C'est ma chanson quand j'ai peur. Elle a une peur. Chanson quand elle a peur. Elle me met du baume au cœur. Ça marche pas vraiment. Dommage. Chambre 181. C'est au coin du couloir, je crois. 183. C'est la mienne. Ok. 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 Bonne chance. En plus. Te perds pas. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu cries. Merci. C'est normal. Y a pas à avoir peur. En fait... Hé hey ! Oui ? Reste avec moi le temps que je m'installe, on cherchera ta chambre après. Je tiens pas à rester seule dans cette baraque, si tu vois ce que je veux dire. Oui ! Merci. Je me serais sûrement perdue. C'est qu'un couloir, Erin. Alors Erin, elle est flippée, mais l'autre, elle est quand même un peu flippée, hein, au fond. Bienvenue chez moi. Ouah ! C'est... Douillet ? Douillet. On pourrait partager une chambre ou c'est comme un hôtel capsule. Non, on pourrait partager une chambre. Ouais, c'est intime. On pourrait partager une chambre et plus si affinité. Je sais pas si t'es au courant. À Topeka, tu parlais en dormant. Ah oui ? Et qu'est-ce que j'ai dit ? À vrai dire, c'était un tas d'injures incohérentes. Oh ! Lol. Je dormais pas. Je lisais ce qu'avait posté Kate sur les réseaux. Quelle conne, celle-là. Tu vas me détester, mais moi, je la trouve plutôt sympa. Elle fait genre, mais cette histoire avec Marc l'affecte beaucoup. Arrête ! C'est un robot. C'est un robot. Y a pas de salle de bain ? C'est quoi ? Toilette à l'ancienne. Mais c'est dégueu, ça ! Et en cas d'envie pressante en pleine nuit, j'ai pas envie de surprendre Charlie sur le trône. J'imagine qu'il y a pas de mini-bar non plus. Oh ! Tu es mauvaise langue. Ouh, elle est poussiéreuse, celle-là. C'est quoi, ça ? Du vin ! Ça se voit pas ? Je sens que si on boit cette bouteille, Charlie va le savoir. Là, il va faire son chef et je vais culpabiliser, encore. Ouais, c'est son genre. Mais on bosse pas, là. On a du temps. Ça se fait pas de boire avant. J'ai pas dit non plus qu'on allait se prendre une grosse cuite avant le tournage. Attends, qu'est-ce que tu fais, là ? J'ai soif. Et puis, t'es mignonne quand tu t'énerves. Je... Quoi ?
Lol. Tu me trouves mignonne, hein? Oh. Ben voilà. Quelle maladresse. T'es vraiment maladroite. Que dirait Charlie? Oh, m'en parle pas. Où il est passé? Sous le lit. Il est contre le mur, là-bas, tu le vois? Ça a l'air bien crado en plus. Très bien. Merde. Il déplaçait le lit. Peur. Hein. Non. Histoire de danger. C'est réussi. Faut déplacer le lit. Erin peut réduire son inhalateur. Curiosité, depuis quand es-tu asthmatique ou tu es sûr que ça? Depuis quand es-tu Alors, asthmatique? Alors, tu es asthmatique? Depuis toujours. Grâce au traitement, je mène une vie tout ce qu'il y a de plus normal. Et le cool. truc, c'est que je dois à tout prix éviter la poussière et les pollens et les gros effets de surprise. Là. Je suis une conne. Tu pouvais pas savoir, c'est rien. Promis. T'es sûre? Oui, certaine. Donc, ouais. Douillet. Tu vas boire ce truc? Et voilà, empoisonné. C'est buvable. C'est vrai ce mensonge? C'est... corsé. Ah. Un bon millésime. Ah ouais? Je perçois... une nuance boisée, un petit soupçon d'agrumes. Mmh. Ouais. On va lui faire boire n'importe quoi, là, tu vas gerber. Et un arrière-goût très puissant de vieilles chaussettes toutes sales. C'est un fait. Je m'en doutais. Je te déteste. C'est une sale menteuse. Oh, désolé. Le vin est dégueu. Je t'ai menti. Non. Ah ouais. Mm-hmm. Désolée pour tout à l'heure. Je voulais pas créer de malaise. Je... Non, c'est juste que... On travaille ensemble et... Charlie me reproche toujours de pas être assez professionnelle et... Je comprends. Non, enfin, je dis pas que ça me fait pas plaisir. Erin. Ou bien que je te trouve pas mignonne. C'est juste que... Qu'est-ce que tu fais? Oh mon Dieu, je... Oh, tu m'as eu. Je te charrie, ça fait des mois que je veux t'embrasser. J'avais trop peur de faire le premier pas. Ah bah voilà, ça commence bien. Bah, ils vont dormir ensemble du coup. Allez hop là. Aïe. Pardon, pardon. Qui? Il y a du bruit chelou. Qui est là? T'écoutes aux portes comme un pervers? Désolé, j'arrivais au mauvais moment. Non, on bavarde, rien de plus. On se demande si ce réseau va supporter tout le matos. Ouais. Si l'hôtel fonctionne sur générateur, faut s'assurer qu'il tienne le coup. Je me fiche de ce que vous fabriquez. Pourquoi t'espionnes? Je ne trouve pas ma chambre, et je me cherche une cigarette. C'est drôle de truc. C'est des nombres. Ils montent et descendent, dans l'ordre. Merci, ça ne m'avait pas échappé. Bon, dans 10 minutes, on se retrouve pour réfléchir à notre premier plan. On a toute la soirée. On fait ça après manger. La marche m'a tué. Si tu permets, j'aimerais bien me reposer. Je veux qu'on tourne après manger. Je vous laisse 10 minutes. Alors, Lou. Ok, on arrive, on y sera. Oh, Erin, j'ai regardé dans le sac bleu. Pas de cigarette. Pourtant, c'est là que je les ai mises. Tu peux me montrer? L'un de nous deux est peut-être daltonien et a du mal à distinguer les couleurs.
Alors, affaire à suivre. Ouais, carrément. Affaire à suivre, hein, les deux petites là, elles sont bien bonne parties. Bonne chance avec vos chambres. Qu'est-ce qu'elle a vu? Ah, le mec est... Allez, allez, en route! Plus vite! Il se barre? Il va les laisser tout seul? Il se barre avec sa gamine. Où est-ce qu'ils vont comme ça? Vous êtes dans la merde. Ouais. C'est quand qu'il va se passer des dingueries? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il joue avec un mannequin? Tout dégueulasse. Ok. Chambre de Charlie. Alors? Je cherche. Oh, Kate a trouvé ça pour toi. Briser ses chaînes. Comment se libérer de son anxiété? Lol. Vous vous foutez de ma gueule, là? Elle a dû se dire que ça t'aiderait à gérer ton stress. Ne même pas en rêve. Je suis pas stressé. Ok? Franchement, j'ai l'air stressé? Un peu. C'était pas une question. Ah. Ah, elle est classe, ta carte de visite. Je sais, c'est le relief. Ça fait toute la différence. Les cartes de visite, ça fait vieux. Toi, t'es vieille école. Qui bosse à l'ancienne. Je les ai imprimées en cartonné. Et le logo est en alu. D'accord. Merde. J'aurais dû en préparer une pour Monsieur Dumet. Tu les as trouvées? Non. Je t'assure que je les ai bien prises. Je comprends pas, là. Ah, bon sang. Sois méthodique. Bon, et si t'arrêtais de fouiller dans ce truc n'importe comment? Essaie d'être méthodique. Methodical. Sac à dos bleu, la poche de devant. J'avais bien mémorisé leur emplacement. Elles ont disparu. Disparu? Comme par magie. Ça commence bien. Tu penses qu'on me les a piquées? Je sais. Ça m'étonnerait pas que ce soit Kate qui ait fait le coup. Ou Jamie. Désolée. J'ai l'impression que ta mémoire, elle est pas top. Chaque détail compte. Oui, compris. Je vais tâcher de m'améliorer. Vu la taille de cette baraque, il y a forcément un paquet de cigarettes qui traîne quelque part. T'es accro à ce point? Il y a un bar dans le hall. C'est quand même bien là qu'on trouve des clopes, non? Eh ben, légalement, c'est interdit de fumer dans les bars, mais... Suis-moi, on va voir. Si bon. Tu m'en trouves, je te pardonne tout, promis. Lol. Trouver le bar. Essayer d'aller par là, je sais pas si un c'est un endroit pareil, c'est... J'en reviens pas de la chance qu'on a. Tu crois pas que les autres épisodes auront l'air nuls en comparaison? Ils sont nuls, c'est un fait. Mais celui-là, il va marquer les esprits. En mode Amy Howard? Voilà, t'as tout compris. Me lâche pas, Erin. On va cartonner. Ça va, elle m'indique un peu où faut aller, du coup, tu ça c'est cool. Tu crois qu'on va être reconduit? Laisse-moi m'occuper de ça. Contente-toi de m'aider comme tu le fais c'est d'habitude, et je ferai en sorte que tu gardes ton boulot. Ça te va? Ouais. Il y a une carte là, c'est quoi ça? Grand thème du Met, architecte. Ok. Moi, il y a des bruits bizarres. Quelqu'un qui dort? On entend ronfler, non?
Vas-y, je la suis. Je regarde pas s'il y a des choses à examiner ou quoi. Si, là, il y a quelque chose à examiner. Hop. Alors. Monsieur Morello, merci de me permettre de vous contacter directement. Votre éditeur m'a dit que vous aviez hâte de me rencontrer. Il semble que nous ayons un intérêt commun. Voilà plusieurs années que je conçois une attraction touristique sensationnelle centrée sur l'histoire de H.H. Holmes. À l'intérieur d'une réplique exacte de l'hôtel de l'exposition universelle. Celle-ci n'est pas encore ouverte au public car j'aimerais peaufiner quelques détails et j'ai pensé que vous seriez la personne la mieux placée pour m'y aider avant son inauguration. C'est pourquoi je vous invite à visiter l'hôtel ce week-end. L'attraction étant prévue pour des groupes de 5, je vous laisse choisir 4 personnes parmi vos proches pour vous accompagner. Je tiens absolument à ce que cette invitation reste confidentielle. Aussi, je vous prie de ne sélectionner que des gens de confiance. J'espère pouvoir compter sur vous. Merci de me confirmer votre venue par retour de message en y joignant la liste de vos invités. Si vous acceptez ma proposition, une limousine viendra vous chercher à 19h vendredi sous le pont ferroviaire à l'angle de l'avenue Wallace et de la 63e Ouest à Saint-Englewood, Chicago. C'est une expérience que vous n'oublierez pas, je peux vous le garantir. Cordialement, grand thème du Met. Ok. Hey Charlie, pour la prochaine saison, je me disais que je pourrais tenter des trucs niveau son, des trucs créatifs. Erin, tout ce que tu fais pour la boîte est déjà extrêmement précieux. Genre porter tes sacs et m'occuper de ton linge sale. Lol. Exactement. Pour réussir dans ce métier, il faut savoir faire ses preuves. Montrer qu'on est motivé. Je crois qu'il te faut un assistant. Un assistant ? C'était une idée stupide, Charlie, mais... Un assistant. Registre nom arrivé et départ. C'est ça ? Comme ça, je pourrais aider au montage. Excuse-moi, au montage ? Ouais. Le mixage audio. Je me dis que t'as plein de choses à m'apprendre avec ton expérience. Gauche, droite, là ? Ce serait l'occasion de transmettre ce savoir. Ouais, t'as peut-être raison. Et un assistant ne perdrait pas mes cigarettes, n'est-ce pas ? Exactement. Ah tiens, les Morello, ils sont venus en famille. Dis, tu veux toujours réaliser des films, Charlie ? C'est ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est nous. Ok. Non, mais un vrai film, quoi. Avec un gros budget et des stars. Erin, il y a une chose importante qu'il faut que tu comprennes. Dans notre métier, seule véritable star, c'est quoi ? C'est la vérité. Ah, je vois. Ok, pardon, Charlie. Donc, tu veux plus réaliser de films ? On peut changer de sujet. J'imagine que je devrais être content d'avoir perdu mes clopes et pas notre matériel. Ok, donc là il a retrouvé du matos, il est content. Il avait parlé d'un bar tout à l'heure, il est où le bar ? Ah putain, et cette souris, ça m'énerve, hein, je suis déjà au... Eh, hey, Monsieur Dumet est peut-être dans son bureau. T'as qu'à lui demander s'il a des cigarettes. Ouais, mais je sais pas où il est, son bureau. Les portes aux serrures peuvent être ouvertes avec des clés. D'accord. Donc il me faut des clés. Trouver l'origine du bruit. Bah c'était là-haut. Faut repartir là-bas. Quelqu'un qui a sonné ici, non ? C'est pas là ? Ah non, y a personne ici. Si, y a une clé maintenant. C'est quoi ce délire ? Y avait pas de clé tout à l'heure ? Jackpot ! Erin ! J'ai trouvé la clé ! Ah, c'est chelou ça, non ? Y avait pas de clé, ça sonne et là, pouf, ça me donne une clé. Et elle est où, Erin ? Ah, elle est restée là-bas. Allez. Je vais voir s'il n'y a pas une boutique de souvenirs où ils en vendent par là.
J'ai déjà fait une crise d'asthme aujourd'hui, je préfère éviter ce genre de nid à poussière. On y trouvera peut-être des clopes. C'est bien l'idée. Lol. T'es génial. Hein ? Monsieur Dumet ? Oui. Ah, petite coupure de presse. Voilà. Bonjour à tous. Je suis Chester Bell, directeur adjoint du Bureau fédéral d'investigation. À environ 5h30 heure locale, une équipe menée par l'agent spécial Hector Monday avec l'appui de la police a perquisitionné une chambre de motel à la périphérie de Birmingham dans le but d'appréhender Manny Sherman, plus connu sous le nom de la bête de l'Arkansas. Grâce à des techniques de profilage ultra-modernes, l'agent spécial Monday et son équipe d'intervention ont non seulement identifié leur suspect, mais aussi prédit ses déplacements avec une précision remarquable. Je suis ravi d'annoncer que nous avons trouvé notre homme. Ok. Bon. Il n'y a pas un interrupteur, ça aurait été bien un interrupteur quand même. Inspecter. Il va brûler lui. Prémonition débloquée. Cool. Bon, apparemment lui il va brûler. Du coup, ils savent tous comment ils vont mourir. Ils vont tous deviner comment ils vont mourir. Wow. Une animatronique. C'est incroyable. Qu'est-ce que ce sera, monsieur Dumet? Ce sera un paquet de cigarettes, s'il vous plaît. Un paquet de cigarettes, je vous prie. Coucou. Vous n'êtes pas monsieur Dumet? Eh, coucou. Un paquet de clopes. C'était trop beau pour être vrai. Tant pis. Merci, robot barman. Certainement, monsieur. À vos ordres. Merde, j'y crois pas. Lol. Merci mille fois, mon ami mécanique. J'apprécie le geste. Ouais. Ouais. Il faut mettre des thunes. Oh. Forcément, il demande la pointe. Bordel. Il faut mettre la pointe. Fouiller le bar à la recherche de pièces. Bah là, c'est pas mal ça. Ah, merde. Et il peut pas utiliser sa carte là-dessus, ouais. L'automate, il dit rien. Je paierai ma tournée. Promis. Lol. C'est bon, j'ai pris des thunes, du coup. Ouais. Par ici, mes jolis. Ah ouais, ça va marcher, hein. Prairie. Ah non. Blockhead. Hé. Hey. Hé. La vie serait tellement plus simple si j'avais ça dans la poche de ma veste. Lol. Bon bah pas de clope, hein.
C'est glauque, l'espèce de barman comme ça, là. Et on peut pas refaire quelque chose, du coup ? Non ! Non ! Pitié ! Je vis déjà une journée de merde, et toi, t'en remets une couche. Lol. Bon, tu te résignes ou... Moi, je pense qu'il s'est résigné, hein. Ah, tiens, c'est quoi ça ? Examiner. Alors, Madame Kelly Schroeder, une fois encore, j'aimerais vous remercier, vous et votre équipe, pour le travail extraordinaire accompli à l'hôtel. Je vous adresse par ailleurs mes sincères condoléances. L'accident dont a été victime l'unité réduite sur le lac est tout bonnement tragique et je m'en sens en partie responsable. En sa mémoire, j'ai passé ces derniers mois à m'occuper des finitions et j'ai l'immense fierté d'annoncer que l'établissement pourra bientôt ouvrir ses portes. Permettez-moi de vous montrer ma gratitude en vous invitant, vous et le reste de votre équipe, à la grande cérémonie d'ouverture le 17 novembre 2017 à 19h. Je vous promets une soirée extraordinaire, rythmée par des spectacles thématiques, dont une chorale masculine. Je suis sûr que vous trouverez vos efforts récompensés lorsque vous découvrirez tout ce que l'hôtel a à offrir. Sincèrement, Richard Belknap. Qui est Richard Belknap ? Oh, ouais. Lol. Qu'est-ce qui va arriver derrière lui, là ? Non, allez, machine de merde, tu vas pas me faire ce coup-là ! Putain d'antiquité, donne-moi ce paquet ! Je veux mes cigarettes! Putain, c'est qui derrière? D'accord. Je vais chercher ma chef machiniste. Et elle va te défoncer la gueule. Hé, hey, Charlie! C'est elle? Ouais. Je suis toujours au bar. Je crois que c'est l'heure du dîner, il faut aller retrouver les autres. Ok, j'arrive. Toi, je te retrouverai plus tard avec un putain de pied de biche. T'es avec quelqu'un? Qui c'est derrière le comptoir? Quoi? Là, là. Il y avait quelqu'un, non? Ah, il me semblait bien qu'il y avait quelqu'un, ouais. Putain, l'ambiance est pas mal de ce jeu quand même, j'aime bien l'ambiance. Chambre de Marc. Hi Marc. Est-ce qu'il a pris ses marques? Hé, j'ai une idée pour le prologue. Tu veux que je te... Ouais, si on arrive avec des séquences déjà prêtes, Charlie arrêtera peut-être de réécrire ce que je propose. Ouais. Ok, très bien. Quoi ? Rien. Une minute et je suis à toi. Il faut qu'il nettoie l'objectif. Tu vas me faire croire que là, il n'y a rien qui te tape sur le système ? Oui. Combien de fois tu l'as frotté, cet objectif ? Je prépare mon matériel. Vraiment ? Ouais. Tu t'attaches trop aux détails, Marc. Et si pour une fois, tu prenais le risque de... Je t'ai vu tourner en rond pendant une semaine. Les dialogues, ils se coupent. Par refuser c'est quoi ce délire ? Un boulot, tout ça parce que ça te rajoutait un changement sur ton trajet. J'ai refusé ce job pour pas te laisser seul avec Charlie. Je suis pas cruel, moi. Je parle sérieusement. Moi aussi. Bon, je laisse tomber. Bien. Je vais chercher la caméra. On a assez de lumière pour se débrouiller sans les autres. Il y a un puits de lumière dans le hall. Je me rappelle pas. Je veux quand même que l'image soit propre. Jamie pourrait nous installer quelques projos. Non. J'ai pas envie d'attendre. Je veux qu'on tourne un plan avant le dîner, sinon je vais avoir Charlie sur le dos toute la soirée. Et pour être franche, Jamie commence à me gonfler. Comme tu veux. Marc, pourquoi tu les laisses croire que c'est moi qui t'ai largué ? Si Jamie connaissait la vérité, je crois qu'elle me lâcherait. Eh bien... C'est ce qu'ils ont pensé. Je sais pas si je trouve ça mignon ou égoïste. Elle. Ou les deux. Ils ont été ensemble, quoi. Ça va être la golden hour. On va se trouver un bon spot. Je sais pas ce que les photographes font tous avec ça. Ça dure à peine 15 minutes. Eh bien, ça dépend. Si tu as le bon réflecteur... C'est 15 minutes au grand max. Bon, trouvons un coin de lumière et tournons cette séquence. Merci d'être là. T'as besoin de moi parce que t'as les bras trop courts pour te filmer toute seule. Mes bras sont pas courts.
Trouve un bon emplacement. On va où? Le balcon devrait offrir un cadre sympa. Faut trouver un moyen de monter. Déjà, c'est quoi? Alors, cette... l'appart? C'est un studio. Utilisez la caméra de marque en 4G. J'ai simplement déposé mes affaires et j'y dors. Change de couleur court terme, ça me laisse le temps. Waouh, doucement. Je regardais la lumière. T'as oublié les limites qu'on s'est fixées? Je veux que ma chambre reste mon espace personnel. C'est sa chambre à elle, ça. Autant la thérapie de couple est bénéfique, autant les règles imposées sont débiles. J'avais peur que tu dormes sur le canapé du studio pendant des mois, à attendre de trouver l'appart parfait avec le bon papier peint, près du bon arrêt de métro ou de bus, ou... D'accord. On devrait peut-être ajouter ça à la liste des sujets de discussion interdits. Bon. Ouais, t'as raison, ça vaudra mieux. Du coup, vu que demain c'est mort, je peux venir le week-end prochain pour récupérer mes affaires. Tous les persos sont bien liés, je pense que ça va être sympa quand il va falloir faire des actions ou des choix un peu difficiles. Et si Dumet nous surprend ici, est-ce qu'on en fera une de ses règles? Il nous a dit de ne pas nous balader. Et on a pratiquement défoncé une porte pour entrer ici. On? Donc, on ferait mieux d'être prudent. J'en suis bien d'accord. Ouais, Dumet est le genre de type à péter un câble si on fait pas exactement ce qu'il veut. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le fait qu'il ait pris nos téléphones comme pour nous punir? Ok. Et alors, faut que j'aille où? Ça lui replaît pas ce puits de lumière là? Merde! Ça m'a foutu les jetons. Le diable incarné. La vérité sur le premier tueur en série des États-Unis, Joseph Morello. Depuis la publication de son premier livre en 2002, Joseph Morello nourrit une fascination pour les tueurs en série et aucun ne l'a jamais autant intrigué que. H.H. Holmes. Dans son nouveau livre, Morello revient sur plus de 15 années de recherche en distinguant les faits de la fiction pour révéler la vérité qui se cache derrière le premier tueur en série des États-Unis. Était-il le diable incarné? Déjà un classique du genre, ce livre dissèque vos pires cauchemars. Cool. Ça me rappelle des tas de souvenirs. Je gravais plein de trucs sur mon pupitre au collège. Rebelle. J'ai pas compris ce que je devais faire avec son appareil, mais... Balcony. Waouh, sinon il y a de la lumière par là. C'est quoi, balcony? Il doit y avoir un moyen de sortir. Ah, c'est fermé. Bon, on va aller de l'autre côté, là, alors. Pourtant, la fenêtre, là-bas, c'est peut-être pas mal. Hein. Se mettre les doigts à la fenêtre... Ah, là, c'est lumineux par là. Non, mais t'as vu ce papier peint? Là, t'as un beau puits de lumière, là, Léo. Plus vieillot, tu meurs. Tout a 100 ans dans cette baraque. Je m'attendais à une façade d'époque, mais une déco moderne. On dirait que Dumet essaie de préserver le passé. Ça doit être galère d'être aussi isolé. J'aime les vieux machins, comme tout le monde. Mais il faut aussi vivre avec son temps. Là, il y a quelque chose à regarder ou pas? Non. Non, tout ça va moisir. Le moisi, c'est ça. Quoi? Depuis qu'on est arrivé, je sens une légère odeur dans l'air. J'arrivais pas à la définir, c'est le moisi.
vieille demeure. Des poissons morts sur la plage, des bestioles dans les bois, tout est possible. Ah, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça manque de vie. Ah, c'est fermé, d'accord. Là, il y a une échelle, si jamais on a besoin. Et là-bas, il y a une porte. Ah, il y a un truc à examiner, là. Secret trouvé. Manny Sherman, né le 1er janvier 1956. Vous savez déjà tout ça. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que c'est? On dirait que vous avez fait vos devoirs, hein, agent spécial Monday. Quelles sont mes émissions de télévision préférées? Mon premier animal de compagnie? Est-ce que j'avais des amis quand j'étais petit? Qu'est-ce que c'est? Vous faites un sondage ou vous essayez d'en apprendre plus sur moi? Non. Ça vous tuerait d'y aller franchement? Vous voulez savoir ce qui m'a inspiré? Comme si j'avais eu besoin d'un modèle. Cela dit, en cherchant bien, il y a peut-être un homme pour qui j'éprouve une petite fascination. Henry Howard Holmes. Pourquoi? Parce que c'était un précurseur. Le premier tueur en série des États-Unis. Ce type a inventé le métier. C'est la référence, vous comprenez? Lol. Renseignez-vous, Monday. Lisez des livres. Vous pensez que parce que je prends mon pied à poignarder des gens, je ne suis qu'un pauvre type? J'ai prétendument tué 13 personnes avant que vous me mettiez la main dessus. Ok, bon. Là, la clé. Faut qu'on trouve comment passer. Ok. J'ai passé la clé de quoi, mais... Allez, grimpe, vas-y. Y aller par là. Lol. Mais lol. Putain, c'est vraiment moche d'avoir mis la moitié des dialogues, enfin des bouts de dialogue comme ça qui sont pas traduits. Ouais. J'en profite pour regarder au passage. Hein. Non, y'a rien à mater. Il faut juste ouvrir la porte. Allez. Maintenant, elle est fermée. Que c'est pas pour retrouver une clé qui était de l'autre côté de la vitre, alors qu'il aurait pu juste casser la vitre en fait.
This should work. Marc, est-ce que tout va bien? Je reviens tout de suite. Je descends, je remets la truc de l'autre côté. Putain. Tout ça sous l'œil de la caméra. Ah putain, je remonte comme un con. Et on reprend ça. Tac. Et on le remet où il était. Ok. Hop. Et maintenant, je remonte là. Et je repasse par-dessus. Putain. Quelle aventure, hein. Alors que franchement, il y avait assez de lumière là où on était tout à l'heure. Ok. Bon, on a la clé du balcon. Gagné. Faut que je reparte dans l'autre sens? Ah non. J'ai eu peur. Bon, vas-y. On retourne voir balcony là-bas. J'ai la clé. Allez, viens avec moi, madame. Hop. Utilisation de la clé. Un peu. Ça va, c'est pas si haut. Mon vertige n'est pas de cet avis. Lol. Le mec, il vient de grimper sur des trucs là et tout, puis en fait, il a le vertige. Ne t'en fais pas, tu es parfaite ou... Je croyais qu'on était pressé. Non, ne t'en fais pas. Je vois pas ce qui t'inquiète, Miss, toujours prête à tourner. T'es superbe, comme toujours. Trajectoire actualisée. Bien appartenu aux victimes de H.H. Holmes, Chicago. Ok. Kate, regarde ça. Son chapeau. À qui? H.H. Holmes. Pas mal. Putain. Tout va bien? Non! J'ai... Ce putain de truc a surgi de nulle part. Lol. Excellent. Tu le vois? Putain, c'est flippant. Qu'est-ce que c'est? C'est bon, ça? Une sorte d'animatronique? Ouais, et du genre plutôt flippant. Ah, il va pas te tuer. Toi aussi t'as crié. Toi, t'as crié deux fois. Lol. Charlie, il est 20h! À table! Fais chier! On n'a rien filmé! Il y a encore le temps! Allez, mieux vaut pas faire attendre Charlie ou il va encore nous saouler. Bon, voilà. Eh ben, ne faisons pas attendre Charlie. Sois sympa avec Charlie. C'est lui qui a commencé en me gueulant dessus alors que je faisais juste mon travail. C'est moi qui parle devant la caméra, pas lui. Arrête, t'as été agressive et tu le sais. Je dis pas que t'as tort, mais... Tu sais comment il réagit quand on lui rentre dans le lard. C'est son problème, Marc, pas le mien. Vos disputes sont fatigantes ou Charlie peut être un emmerdeur? Les filles et moi, on en a marre de vos disputes. Et moi, j'en ai marre de ces prises de tête.
Il est jaloux. Jaloux ? Oui, de qui ? Il est vexé qu'on m'invite sur les plateaux télé et pas lui. T'en fais qu'un de plateau. Non, le truc, c'est que c'est moi qu'on voit à l'écran. C'est à moi qu'on veut parler et ça, il supporte pas. J'arrive pas à jouer les trucs qu'il écrit. Ça rend peut-être très bien sur le papier, mais ça fait pas tout. J'essaie de l'aider et lui, à chaque fois, il m'envoie dans les cordes. Parce que tu... Parce qu'il pense que tu ne fais ça que pour étoffer ta bande démo. Et même si c'était le cas. Les réalisateurs sont comme ça. C'est leur boulot. Ils ont une vision et leur ego est parfois démesuré. C'est pour ça que je me contente uniquement de filmer. Ça lui donne pas le droit d'être un connard. Non mais... Mets-toi un peu à sa place. Il a 40 balais et il attend encore son heure de gloire. Lol. Kate, cette émission, c'est peut-être sa seule chance de réussir. C'est vrai. Je m'en fous. Un jour ou l'autre, je vais me tirer de Lonnie Entertainment. C'est super. C'est sûrement le meilleur choix pour la suite de ta carrière. Tu as l'air très sincère. Parce que je le suis. Charlie n'hésiterait pas une seule seconde à nous remplacer si on lui était pas aussi utile. Il se sert de nous. Je mérite mieux que ça, toi aussi, et les autres aussi. Quelle sublime performance. Tu devrais tout lâcher et devenir actrice. C'était vachement émouvant. Tu mérites un putain d'Oscar. Tu sais même pas de quoi on parlait. J'en ai assez entendu. Je sais reconnaître la trahison. Et je m'attendais pas à ça de ta part, Marc. Quels que soient tes projets, je tiens à te rappeler que tu bosses pour Lonit Entertainment. Et les employés de Lonit Entertainment sont attendus pour dîner avec notre hôte. Charlie, je suis désolé. Et chez Lonit, on est professionnel, pas vrai? Alors tâche de ne pas l'oublier. Bon. Super, bravo. T'as peut-être un avenir, mais le mien est foutu. Ce type est un putain de gamin. Je sais pas pourquoi on entre tous dans son jeu. Bon, lui, il est chelou, lui. C'est toujours pas ce que c'est, enfin, qui c'est. Il va recoudre des trucs, là. Allez, c'est l'heure du dîner. Salut. Je nous sers un peu de vin ? Ouais, bonne idée. Quelqu'un a vu Monsieur Dumet ? On ne devrait pas l'attendre ? Vas-y, sers à boire. Qui peut organiser un dîner et ne pas y venir ? Lol. Vous n'avez rien fait qui aurait pu le froisser, j'espère. Non, papa. J'ai croisé personne ici, à part le gardien. Dumet doit préparer le repas lui-même. Oh, monsieur Dumet ! J'adore votre coupe de cheveux. On s'est servi du vin, ça vous dérange pas ? Dumet ? Ouais, il viendra pas. Hein ? Mais pourquoi ? Dans la bagnole, il a vu toutes les conneries que t'as publiées. Mais j'ai... De quoi tu parles, Jamie ? Il est parti à bord du ferry. Quoi ? Lol. Quand ? On venait de monter dans nos chambres. Il est... parti ? T'es sûr ? Mais non, tu dois te tromper. Je suis pas Miro, je sais ce que j'ai vu. Pourquoi il aurait fait ça ? Ça n'a aucun sens. Ils avaient l'air drôlement presque... T'avais raison. Il y avait bien une gamine. Je les ai aperçus pendant que je cherchais ma chambre. Encore un plan aux petits oignons dont Charles Lonit a le secret. On fait quoi maintenant, boss ? On rentre à la nage ? Pourquoi il nous aurait invités ici et à dîner pour s'en aller après ? J'en ai assez que vous remettiez en doute mes décisions. Ce type m'a dit qu'il possédait des objets susceptibles de nous intéresser. Et c'est pour ça qu'on est là. Regardez. Il a pas menti. Il devait avoir une bonne raison de partir. Pas de conclusion hâtive. Bah, il veut pas mourir. Vous trouvez pas qu'il y a un truc qui cloche vraiment avec cet endroit ? Avec Monsieur Dumet ? Et même si ça me blesse au plus profond de mon âme de l'admettre, je crois que Jamie a raison sur ce coup. Merci !
Essayez de parler moins fort. Pourquoi ? Il est pas là ! Mais ça n'explique pas pourquoi il nous a plantés. Il a dû partir pour se forger un alibi. Qu'est-ce que tu... Comme ça, quand ils retrouveront nos cadavres de l'autre côté du lac, il pourra réfuter les accusations. Oh merde. Oh, Jenny. Tu veux bien arrêter d'en rajouter ? Ça nous aide pas. Ok, d'accord, mais... Venez pas pleurer si vous finissez par vous faire tuer. Ça va pas ou quoi ? Je dis ce que je dis. J'imagine que t'as pas retrouvé tes cigarettes. L'autre avec sa mamie ? Avec sa mère ? Le pire dans tout ça, c'est que j'ai trouvé un distributeur. Mais comme la totalité de cette putain de baraque, il a plus de 100 ans. Qu'est-ce qu'on fait ? On reste assis, on fait semblant de manger ? C'est quoi le plan, Charlie ? Le plan ? Comme d'habitude, avec Lonit Entertainment, on va se tourner les pouces jusqu'au dernier moment, avant de filmer deux ou trois scènes dans la panique, et puis on me demandera de sauver l'épisode avec une voix off. Eh ben, je lève mon verre à Topeka, qui n'était finalement pas le pire plan de Charlie. Lol. Je voudrais porter un toast. À vous tous. À vous tous. Vraiment. Je sais que je suis votre tête de turc, telle ma croix en tant que patriarche de notre petite famille. À Marc et Jamie. À vous deux qui toujours travaillez comme 10. Et à Kate. Malgré nos différends, tu es la star de l'émission. Tu sais capter l'auditoire. Et enfin, à notre dernière recrue, Erin. Sache qu'on serait perdu sans toi. Qui d'autre saurait se souvenir de chaque petit détail ? Non. J'ai essayé d'être gentil. Merci à tous. Depuis tout à l'heure, il n'est pas très sympa avec efforts. Elle, alors. Santé. 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 À nous. À eux. Mazel tov. Les images qu'on va tourner ont de quoi donner un nouveau souffle à cette émission. Ouais, si on arrive à tout boucler. Ouais, il nous a entendus. Ah, s'il nous avait entendus, il aurait jamais dit tout ça. C'est peut-être pas le moment idéal pour avoir cette discussion. C'est toi qui as commencé. Qu'est-ce qu'il y a, Kate ? Rien d'important, on échange des idées. L'épisode aurait encore plus d'impact si on filmait Kate dans un décor flippant. Ça devrait le faire. Lol. Ah bah là, j'avoue, le décor, il est... Vous trouvez pas ça bizarre, vous ? Top pour que ça. Que Dumet se fasse attendre ? Ouais, je crois qu'il viendra pas. Il a toujours pas compris. Par quoi tu veux qu'on commence, Charles ? C'est toi le boss ? Merci. Le plus logique serait de commencer par le hall. Il y a encore une belle lumière et, symboliquement, c'est par là que tout commence. Dans le château des meurtres. Avec la lumière naturelle, deux ou trois appoints suffiront. On pourrait donner l'impression que la pièce est éclairée au gaz ? Parfait. Et si Dumet se pointe ? S'il nous demande d'arrêter, je lui ferai une petite mise au point. C'est lui qui nous met dans la mouise. Bah ouais, il est pas bien. Allez chercher ce qu'il faut et on se retrouve dans le hall. À partir de maintenant, il faut faire preuve de professionnalisme. Allez. Pas de boulettes. On se tient bien. Si jamais il revient, je veux pas qu'il nous voie en train de nous la couler douce. Let's go dans le hall. Nous écharper. Bien reçu. On est des pros, on s'y tient. Formidable. Ravi de l'entendre. J'en aurai pas pour longtemps. Bien. 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 J'ai l'impression qu'il est pas très serein quand même, lui. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Thank you.
Coucou. Ouais. Y a quelqu'un? Elle est sans chelou. Ah cool, c'est à moi d'y aller. Suivez les sons qui viennent des murs. Utilisez pour diriger le microphone vers la source du bruit. Ça s'approche là. C'est là. Ah, c'était par là, non? Y'a plus de bruit? Délire, j'entends plus rien. Ça, tout est verrouillé. Fallait regarder ça, examiner. Ah mais ça c'est le livre que le mec il a mis tout à l'heure, il a jeté par terre. Briser ses chaînes, comment se libérer de son anxiété, par le professeur J.P. Hunter. D'accord. Commence par mettre ton casque. J'entends plus de bruit là. Qu'est-ce que c'est ce délire? Par là? C'est moi qui t'ai largué. Quand Yannis a des touches, je crois qu'elle s'en lâcherait un peu. Eh bien, c'est ce qu'il faut penser. Je sais pas si je trouve ça mignon ou égoïste. Ou les deux. T'as plus rien là. Hein. Et d'accord. Plus rien ici, mais elle, elle peut peut-être avoir une prémonition sur comment elle va mourir. Ah ouais. Cool. Toujours très soft. Et très joyeux. En venant par là. Par là, j'avais des voix. Partout. Ne m'empêchera pas de tuer à nouveau. Il y a une trappe au sol là. Moi je veux pas aller dessus, je suis pas con. Ouais, si c'est quand je vais aller dessus que ça va s'ouvrir forcément. L'exécution de H.H. Holmes. Allez, elle tombe? Non? Plus de bruit, ça y est. Putain. C'était des bruits de partout. Mais elle, elle entend tellement de trucs, elle va devenir parano de ouf. C'est d'où je viens, du coup, moi. Par là, moi. Oh, ça s'est fermé. On est d'accord que je venais de par là. Ok. Sympa.
Il y a une porte qui s'est déverrouillée ou pas? Non. Ça s'est fermé, il n'y a rien. Quel délire. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. J'ai tout regardé à fond. Hein. C'est bruit là, je sais même pas si je dois aller à gauche ou à droite. Ah ouais, là c'est flippant par contre, j'ai pas de lumière. Ah, je vais tomber dans un truc sale, je le sens. Elle a pas de briquet, comment je peux avancer dans le noir? Fermé, j'ai juste le droit de me balader dans des couloirs sans savoir où je vais et sans lumière. Ah, j'entends des bruits de ouf. Je suis pas serein, hein. Là, on commence à rentrer dans le dur là. Je tourne en rond là, non? Ouah, c'était fermé tout à l'heure. Et l'hôtel, il est ouf. C'est ma chanson quand j'ai peur. Ouais, tu m'étonnes. Elle me met du baume au cœur. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, appuie dessus. Je m'y attendais à ça. Ah. Je m'attendais au screamer là. C'était obligé. Par contre, c'est quand même un peu flippant. Quoi? J'espère qu'elle a sa ventoline. Et sa sauvegarde automatique ou pas? J'espère. Je pense que je vais pas tarder à arrêter. Bordel. Le disjoncteur. Ah, maintenant c'est elle qui est sans lumière. Bon. Je propose d'arrêter là pour ce soir. 2h30 de live, c'est pas mal. Et je pense que je continuerai peut-être demain soir. Pour le coup. A voir, mais peut-être que demain soir, je ferai la suite. Voilà. J'aime bien l'ambiance. Là, on commence vraiment à arriver dans le moment du jeu où je joue un peu plus, où il y a l'ambiance, ça y est, elle est posée, ils ont bien mis le contexte. Là, maintenant, on est dans l'ambiance du jeu. Et là, je trouve ça beaucoup plus cool. Ah, je peux avoir un peu les différents personnages, du coup. Trajectoire. Ok. Bon. Eh ben, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Tac.
Tac. J'espère que vous avez apprécié en tout cas ce petit tour sur The Devil in Me. Je vais essayer aussi pour demain de peut-être réduire un peu la cam pour que je sois moins présent sur le côté là. Ouais, sur le côté là, comme ça. Voilà. Histoire que ce soit un peu plus petit, que vous voyez un peu plus le jeu. Et puis voilà, je pense qu'on va continuer ça parce que en tout cas l'histoire est bien cool. Merci du coup à ceux qui sont passés sur le live. Et puis si vous voyez ça en replay, n'hésitez pas à passer sur les prochains lives et à follow la chaîne. Comme ça vous verrez la suite de l'histoire. Et si vous voulez le jeu, ça s'appelle The Devil in Me. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis je vous dis à plus. Allez, ciao ciao, salut.